Téléguinéen a pas évité nous suivre. Émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouyea. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Mais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compé Philo. Compé Philo. Nous avons un docteur Nathalie Guillaume qui est là avec nous. Nous songeons qu'elle était de passage. Ça fait quelques temps. Nous avons parlé de l'acupuncture, bah, ça y est, de l'autre médecine chinoise ou bien traditionnelle. Qui en pile monde pratiqué, au moment que vous pas considéré comme une médecine. Au moment tout le monde est en pintade, dit ça, bah, ça, et bah, comme ça, certaines autorités pas accepter dans certains pays. Ah, ben, je dis, acupuncture, c'est une grosse affaire. Ben, nous avons un docteur Nathalie Guillaume qui est là, qui parle cause avec nous sous expérience. Sous expérience, la vie, qui genre que lui rentre dans le domaine ça. Et qui ça capoté pour l'humanité, domaine ça, expérience ça, qui ça capoté pour Haïtiens, expérience que la pratique là qu'on y a. Téléphone 443 35 32 37 30 51 28, Compé Philo 1, à commercialia.com, www.rtghaiti.com. Téléguinéen a pas évité nous suivre, émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouyea. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Compé Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compé Philo. Compé Philo. Docteur Nathalie Guillaume, qui j'en ai? En forme, merci. Voyage en pile, ou en pile mouvement, ou apprendre en pile. De, ouais. Est-ce que tout soit apprendre comme docteur, comme acupuncteur, j'en dis? Ah. C'est comment vous avez dit ça? Est-ce que nous avons apprendre pour Haïti, ou bien nous avons apprendre de Haïti à partir de ça, ouais, valeur que nous avons gagné? Que nous-mêmes nous voyons. Parce que le voyage que je fais, les études que je fais, surtout en Asie, et je fais expérience avec une médecine qui passait de génération en génération. Parce que la médecine traditionnelle, là, le dit traditionnelle, c'est-à-dire que c'est une médecine qui est dans la tradition. Nous. Et ça, je apprends dans le voyage, moi, c'est que l'autre pays est très fier de la tradition, l'autre pays est très fier de sa ancêtre, pour tes et je suis très fier pour conserver bagayou chan yo te kon fè lan et au même encore plus fier le bagay la vin à l'UNESCO ou bien au niveau international côté ou comprendre moun nan vin inscrit bagay là tu vois dans au niveau encyclopédique ou bien académique donc c'est sûr que Haïti c'est pas un pays qui petit c'est un pays qui a une histoire extrêmement globale internationale et militante. Et nous avons pile bagage que nous capable apprendre de l'autre monde mais nous avons pile bagage que nous capable apprendre de nous tout parce que nous gagne médecine pas nous gagne médecine folklorique pas nous gagne en pile expérience par exemple Makandal c'était une grand et médecin feuille et dans culture pas nous et c'est aussi une dans monde qui a commencé et chirurgie au moment qui était fait chirurgie dans animal donc si vous commencez à faire recherche sur chirurgie et les débuts de la chirurgie Makandal pour commencer par être. Et il y a l'autre monde qui est dans la racine, nous, dans l'année 1700-1600, qui était très important dans la médecine et globale. Donc, vous pensez que faut que nous fassions recherche sur ça pour nous revaloriser bah, ça? Définitivement, pour nous capables de partager avec la jeunesse, surtout. Parce que l'homme était ici, l'homme était jeune, l'homme était passé l'école, nous pas apprendre en pile bagaille sous culture haïtienne. Des petites journées du drapeau, des petites journées où on reprend patriotique, nous, mais nous pas vraiment qu'on a pile bagaille de culture, nous. Donc, nous pensons que nous avons une revalorisation de la culture, mais aussi nous avons une rééducation. Et pour que tout le monde connaisse que il n'y a pas besoin de peur
puis dire que c'est haïtien, oui. Pas besoin de peuple dire que c'est ça qui racine moi, mais c'est ça qui culture moi, mais c'est ça qui tradition là. Parce que gon monde qui va venir apprendre les livres et qui va aller qu'on livre sur les livres. Donc plutôt c'est eux même qui apprennent les. Parce que je me souviens d'un temps, bon, tu as une pile imprimerie, tu as une pile librairie, ouais, dans le temps qu'on n'y a pas encore. Donc, je pense que le monde des lettres en Haïti commençait à faire un petit baissé. Et ça veut dire que le monde académique aussi, international, haïtien, a déjà fait un petit baissé. Donc, c'est une bonne opportunité pour que la jeunesse prenne un nouveau bouffé de, d'inspiration. Et au même petit gens ont fait. Qui ont fait. Est-ce que deux ou apprendre en pile? Oui, oui deux à m'apprendre en pile. Ou en pile bagaille? Oui, en pile bagaille. Et surtout moi ou en pile monde qui inspire de Haïti. Et ça malgré la situation, j'en dis. Quelle situation? La situation chronique. La situation comme elle est, la situation que qu'on la connaît. Et j'aime dire là ça bon mais puis l'inspiration le moi étranger. Toujours continuer à entrer dans le pays, non? Toujours continuer à fouiller. Et ça m'a donné l'inspiration tout pour moi garder les livres qui sont anciens. Je suis capable de dire que ça, c'est un bagage que je souhaitais qu'un pile monde soit capable de faire des recherches personnelles, puis rechercher des livres qui étaient imprimés en Haïti dans les années 1940-1950, années anciennes, côté monde qui a fait des recherches, côté monde qui a écrit des bagages, côté haïtien qu'on a vraiment publié. Donc ça, c'est un bagage qui a inspiré ma pile, que moi, je viens de découvrir là-bas. Et c'est ça qui a vraiment aidé moi à véhiculer et recherche moi sur culture haïtienne. Donc, vous pratiquez médecine? Oui, oui. Je pratique la médecine orientale, l'acupuncture. Et j'ai fait ma spécialité en Chine. Et ma spécialité, c'est traumatologie et oncologie. Donc, je travaille en pile avec des gens qui ont des douleurs chroniques ou bien des problèmes en cancer, des problèmes de tumeur, des problèmes de maladies et glandulaires, etc. Donc moi bah au support médecine traditionnelle chinoise là, bah au support en acupuncture, bah au support avec pharmacopée chinoise, diétothérapie chinoise et c'est un bah qui nous pense qui est très important pour que mon ait alternatif à médecine allopathique là. Mm-hmm. Donc vous pensez que grand nous, grand papa nous qui était qu'on a collé zo font de bagages pratiques traditionnelles médecine traditionnelle qui était qu'on a fait. Vous pensez que bah, ça a la même valeur que la médecine ça, traditionnelle chinoise là? Oh oui, oh oui. Moi même pense que depuis un bagaille des racines dans en tant qu'ancien. Par exemple, l'homme on a parlé de l'Égypte, il y a toujours moins deux gens qui ont parlé de l'Égypte. Par exemple, Égypte ancienne ou bien Égypte. Donc le point où on est capable de rapprocher pays en tant ancien et Haïti qui a une culture qui ancienne, parce qu'il y a une culture qui est pré-colombienne, donc c'est ça qui est une culture ancienne, non? Qui est pré-colombienne. Non? Donc nous avons une culture taïnoa, nous avons une culture, j'aime dire, qui est une plus ancienne que ça, nous sommes capables de récente là. Deux points, nous sommes capables de préserver et expérience taïnoa, c'est-à-dire que son bagage que nous devons vraiment nourrir et nous devons vraiment partager. Et d'une façon académique et d'une façon sérieuse. Parce que l'autre pays, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait pratiquement en pile de recherche sur tout le pays. Ils hein. Ont cherché dans différents côtés où ils ont pratiqué bah, différemment. Ils ont fait des séries de documentation sur les gens qui ont fait là. Et puis ils ont comment ils rapprocher à ce qu'ils ont fait kouni, hein, dans le temps récent. Par exemple, en Corée, ils ont fait une pile de recherche qu'ils ont fait sur différents styles de médecine coréenne qu'ils ont pratiqué dans différentes villes. Donc ça semble être extrêmement intéressant et l'on a regardé comment une médecine qui est aussi vivante et qui est tellement palpable, il y a des racines qui sont anciennes et des racines qui n'ont pas même écrit, des racines qui sont orales. Donc nous même dans la culture par nous en tout, nous avons un pile racines orales, nous avons un pile racines traditionnelles qui est capable de partager et qui est capable vraiment de valoriser. Et j'en dis à sa grand-père m'a fait maintenant, sa grand-mère m'a fait maintenant, qui tisane ta bon moins, qui friction ta bon moins, et même qui point, yo ta bon moins, pas vrai, parce que y a des gens qui disent, ah, pas qu'on est, quand on prend point ça. Mais c'est vraiment ironique que le mot pour acupuncture, c'est point. Donc en réalité, le corps est fait de points. Et en réalité, les points énergétiques du corps, ce sont des points qui font partie vraiment d'un méridien, d'un circuit d'énergie.
et le monde a fait râler ou bien a fait massage là mon nèg n'a pas connait qui méridien ou bien qui organe mais il connaît que on énergie quelconque vous comprenez dans zone ça et il connaît que peut-être que c'est là que au besoin on thérapie peut-être que c'est là que point il faut vous comprenez donc quand paquet gens que nous parler même dans créole là et moi t'a dit ça l'autre jour par exemple que l'on dit comme sous biscuite rien me fait mal ou comprendre pour moi me faible des séries de mots que nous servi qui tellement intéressant mais vraiment il y a vraiment servi avec des mots qui gain rapport avec système organique avec système biologique et si on cherche à comprendre vraiment la culture là pour que ça ne serve avec mots ça peut-être que on capable encore encourager et tradition yo et valoriser importance tradition en tout. Je dis que il y a les paroles qu'a dit, alors commencer par les faire paroles des mots n'a pas utilisé. Je dis m'a foutu un bâton et c'est ti calbas ou le bois. Et les mon dieu ti calbas là, il dit que ti calbas là sont des fois un antibiotique. C'est ça. Ou bien l'un te gain problème le je dis à nous venir un problème avec galon de l'eau n'a boit n'a met de l'eau dans galon quelque chose ça galon là-dedans nous laver le plop et puis nous boit de l'eau mais longtemps l'en d'a boit dans calbasan on sait le problème que nous pas de gagner exactement nous pas de con galon c'est calbas que nous te connaît bon c'est de mots mon utiliser ou bien de l'eau dans couche là vous regardez par exemple couni hein c'est tout en tendance. Il faut que vous preniez de l'eau qui est minérale, qui a un cristal, qui a une énergie là-dedans. Par exemple, justement, la couche a une énergie. Donc, il est capable de changer le pH de l'eau, il est capable d'alcaliniser l'eau plus alcaline. Vous comprenez donc, il y a un paquet de bagailles que les ancêtres nous connaissent naturellement parce que justement, il y a une connexion à la nature. Et longtemps, tout le monde a une couche canari la caillou. Exactement. Je dis à. Ça peut exister. Pour aller dehors, loin pour aller ça, pour trouver ça. Oui. Mm-hmm. Donc, quand pile travail comme ça, fait dehors, et il finit par accepter la médecine, ça, valeur ça. Oui, je pense que grand pile travail qu'a fait au niveau international, global, et nous sommes allés récemment dans une journée internationale de l'acupuncture à l'UNESCO. Et ça, c'est un bagage que vous faites chaque année. Donc, l'acupuncture, c'est un bagage qui est respecté internationalement et les écoles sont respectées aussi. Donc, les gens qui sont professionnels en acupuncture, même si j'en dis qu'ils n'ont pas le même respect avec l'autre docteur en médecine, non, mais c'est un professionnel qui a un certificat, qui a une licence, qui est capable de pratiquer dans le pays côté lien. Et en plus, j'en dis là qui est capable d'aider et complimenter et l'autre médecine. Tout. Donc, définitivement, il y a un pile de travail qu'a fait pour revaloriser la médecine naturelle, qui a une tendance à la nature vraiment qui vient beaucoup plus commune qu'on y a. Tout le monde a essayé de manger bio, tout le monde a essayé de méditer, tout le monde a pratiqué yoga, tout le monde a essayé de comprendre quoi yo a faire ça aurait le développement personnel, tu vois, ça parle en retraite pour aller à la nature, pour tu vois, pour prendre des énergies. Donc, je pense que c'est un bagage qui non seulement qui est nécessaire parce que la planète a besoin de lui, mais je pense que l'humanité a besoin de lui parce que nous tellement fait longtemps que nous retirons la tête de lui, nous vivons un effet néfaste, ok, avec, surtout avec de l'eau, yo, parce que je vais parler de l'eau. Hein, et il montre scientifiquement qu'après 2048, soi-disant, pas pour avoir un poisson que nous sommes capables de manger encore dans de l'eau. De toute façon, il est dangereux. C'est-à-dire que tellement nous fait des ordres avec de l'eau qui se source nous, parce que nous sommes dans la planète Terre, mais la planète Terre, là, c'est un corps côté nous. Hein. Donc, nous vraiment à la merci de l'eau. Et si nous ne pas retourner à la nature, bon, on ne connaît pas comment le futur l'employé. Donc, je pense que c'est une belle tendance. Je pense que le monde qui a embrassé cette tendance, c'est une bonne chose. Donc, je encourage tout Haïtien pour et participer dans activités qu'a fait locale et internationale et ici en Haïti il y a une activité chaque année que fait créer les en Haïti c'est la deuxième année que a fait li et c'est justement dans cadre ça que montré et c'est El Rancho le 19 et le 20 et c'est un bel projet c'est une rencontre de bien-être et de spiritualité côté pour différents conférenciers différents exposants qui parlent de médecine naturelle
et qui pourra aller encourager les gens pour être capable d'aller vers le ça. Donc, vous pensez que jeudi, nous t'a fait pour apprendre Timonio, tendre la nature, comprendre la nature et pas mépriser, pas maltraiter, ramasser, si nous t'es jeté, pas si nous t'es jeté, mais jeté. Donc, tout ça, c'est des bails pour nous avoir préoccupation, pour Timonio pas lever, même genre certains autres générations levées. C'est ça, c'est ça. Parce que justement, il y a des séries de programmes même. Et côté yo apprendre Timounio d'une façon écologique. C'est-à-dire qu'il y a des programmes côté c'est seulement la nature qui apprend Timounio. Côté où elle met les Timounio dans la nature là chaque jour, monter Timounio côté herbe en grandir, monter Timounio côté de l'eau en sortir, monter Timounio éléments yo comment vous transformer éléments yo, comment vous travailler avec éléments yo, vous comprendre et qui ont paquet de programmes qui commencent à développer dans ce sens ça parce que ils ont aspect pédagogique et dans la nature là tout, c'est l'éco. Éco. Donc la tendance éco est vraiment importante et pour l'enfant parce que si on a depuis tout fait dans la nature. Il n'y a pas de discrimination pour la nature lui-même. Vous comprenez? Donc c'est vous-même qui bali iPhone là, vous-même qui bali iPad là. D'ailleurs, ce qui te fait vraiment triste, quand je suis allé aux États-Unis, je réalise que on gros chaîne de magasins pour les jouets, Toys R Us, a fermé. Imaginons que si on ne pas jouer encore. Si vous avez assez de bagages technologiques que vous avez joué. Donc, il y a un travail qui doit être fait au niveau parent pour que si vous avez été connecté à la nature, là, pour que même relation parent avec lui puisse changer tout. Et j'en dis, il y a un pile de bagages que la nature peut apprendre naturellement parce que vous avez un code de la nature. Donc, là, si vous avez commencé à passer plus de temps dans la nature, vous avez compris le respect, vous avez compris la moralité, vous avez compris des séries de valeurs. Qu'on pas besoin de forcer pour l'apprendre. Parce que l'y ouais tout naturellement. J'en dis, le naturel en parler, ou bien si ouais animal, y a partagé en zone calmement, paisiblement. Vous comprenez, différentes espèces de plantes ont grandi symbiotiquement. Vous comprenez, donc, si on est capable de comprendre là, que peut-être que violence pas fait sens, peut-être que la guerre n'est pas la solution, tu vois. Donc, c'est ça qui est important dans l'éco et pédagogie, hein, c'est quitter tout le monde vraiment et entrer dans la nature. Là, et grand pile travail qui fait qu'on y a là avec les artistes ici en tout, en Haïti. Côté grand pile activité, côté des rotations artistiques. Côté tout le monde a accès à tambour, il a accès à la roche, à l'argile, à l'écriture. Donc différents bagages pour qu'il crée. Important. Mais, nature a une violence là dans tout. Bon, capable de dire destruction et reconstruction. Mais violence, ça c'est un mot négatif. Trop vulgaire. Que, oui, parce que l'agressif, justement. Donc, grand aspect de la nature là, qui est capable de gagner une nécessité pour, par exemple, pour reproduction. Donc, il y a des côtés dans la forêt là, qui ont du feu. Peut-être que du feu, ça a pour le préparer là, pour l'autre bagaille. Donc, par exemple, si nous regardons comment la saison yo, naturellement en automne et les plantes reprennent tout et bon côté qui fait frais yo, en automne les feuilles mortes right et c'est naturel donc nous connaît que pendant l'époque hivernale plante n'a pas prend force li dans racine li li pas gain énergie pour la baille dans branche yo. Donc est-ce que son bagage qui violent pas vraiment mais c'est comme ça que la nature fonctionne faut que les dépouiller lui pour que lui fait l'autre. Donc, grand aspect de destruction, reconstruction. Destruction, reconstruction. Yin et yang. Toujours balance, balance. Positif et négatif qui crée une polarité, une harmonie. Donc, terre, elle tremblait. Et puis, il mangeait de trois mondes. Il mangeait en quantité, 200 000. Et puis, ou bien un volcan. C'est ça. Et comment s'est fait l'obéi. Donc, c'est matrice là qui prend forme col qu'on fâché qu'on pas fâché c'est accepter le Jean Lia Jean la fête là exactement suivre lui qui était course l'an passé et ou pas qu'à fâché parce que gagnon parce que gagnon sagesse la dernière qu'on sagesse et justement le té gagn éruption volcanique là on était en Hawaï quelques mois avant ça. Donc, moi, j'allais en Hawaï assez souvent pour des programmes éducatifs académiques et en médecine orientale.
Et me songeais vraiment, me senti en énergie, en volcan. Après ou avant? Avant. Avant, et je te dis comme ça que volcan, ça faut faire offrande. Allez, parce que c'est un volcan qui est vraiment enragé. Et que faut faire offrande, allez. Donc, depuis mon aller, toujours en prière, en offrande, en bagaille, yo baile. Parce que vraiment, ça c'est une façon d'accepter aussi, de réaliser que la nature est vivante. Pour qui ça m'a fait offrande? Pour qui ça l'a parfois non kafou ka bon bagay? Pour qui ça l'a passé en pied bois bon bagay? C'est offrande liée. Parce que peut-être que moun nan vraiment croit que bagay ça vivant. Et est-ce que moun nan li wong pour ça? Non? Bon, il y a qui dit que la culture parle. Tu as commencé à étudier ça. C'est physique. C'est ça. C'est qui gens ou paraît ou en couille en cafou ou tel bagaille l'autre côté ou digo ou on sait de signes qui fait et puis gain on rencontre ou bien gon yo visé point ça mais c'est ça qui touchait moun mais je dis mais ou pas imaginer que c'est physique qu'a fait là métaphysique non mais je dis physique. Je dis faut d'étudier. D'accord. Parce que même gens nous fait physique, nous fait mathématiques, nous fait chimie, nous fait ça là, mais gen chimie, gen physique qu'a fait. D'accord. L'on est là mettre deux patates, trois patates et puis il prend digo, il prend tout manger bouche manger. Il empile il prend bas savon, il fait salap fait. Et pourtant des gon lobe, je dis au lieu pour nous taper ça, c'est étudier pour nous étudier le tout. Pour nous comprendre qui force ça pour le déplacer, qui pour le faire, ça l'a faire. Définitivement, il y a une énergie magnétique que nous avons dégagé dans notre travail. Et la planète a plein de côtés spécifiques qui gagnent, ça a relé des accumulations. Quand vous croyez qu'il y a une accumulation pour rien, la planète a un paquet d'accumulations magnétiques. Il y a des côtés où vous allez, où vous êtes capable de sentir vraiment, waouh, côté mieux là. Il y a des côtés vraiment, c'est comme tu as dit, c'est là où la Terre rencontre le ciel, ou senti où. Parce que ce sont les points magnétiques de la Terre. Et moi, aller dans le côté ça, le côté moi, senti franchement, ou dans le bout du monde. Et on va parler de bagaille ça. Ce n'est pas bagaille seulement que nous faisons en Haïti. Je vais aller au Japon, ou un mouchoir rouge marin. Oui. Moi, on va des séries de métal. Regardez, non, mettez, regardez, est-ce que c'est pour au goût? Je ne sais pas. Mais il y a une loi de guerre qui passe là. Est-ce que son samouraï? Je ne sais pas. Mais je connais. Que gon bagay ki la en bas si cascade ça que yo mette là que moun pa manye et c'est respect et franchement gon énergie magnétique vraiment j'aime qui dégager j'en dis et ça fait que me penser que li plus que physique li métaphysique parce que li on bagay ko pa ka wè et c'est ça qui fait que parfois son bagay qui capable on ti jan à discussion et scientifique parce que moun n'a pas ka wè li. Par exemple, on aller dans matrice planète là qui c'est l'Amazonie, on aller dans les jungles de Pérou, du Brésil. OK. C'est pas un bagage qu'on peut aller non encore le Congo, le bassin du Congo, comprendre, c'est pas un bagage qu'on peut aller facilement arriver. Son bagage faut capable prendre deux avions, vous comprendre deux bateaux, combien camions pour arriver quand on peut arriver hein? Parce que quand on peut arriver vraiment retirer du reste du monde, parce que l'igon magnétisme qui est extrêmement pur, qui est extrêmement non touché, que moun pa gen accès à lui. Vous comprenez? Et je pense que si nous cherchons vraiment qui sa nature la gen pour apprendre nous, il faut nous capable vraiment faire temps pour nous créer et nous capable dire, créer une sorte de zone qui sauve, une sorte de safety. Vous comprenez? Parce que quel est mon pas senti yo safe. Si par exemple, moun n'a pas senti le safe avec vous, mais si moun n'a pas senti le safe en côté, est-ce que moun n'a pas vraiment et bénéficier, tu vois, de aspect thérapeutique côté? Donc, ça peut être ça qui arrive en Haïti. Il y a des côtés en Haïti, moun pas arrivé. Parce que pas de machine qui arrive là, pas de avion qui arrive là, tu vois, pas de bateau qui arrive là. Et par contre, c'est des côtés qui vraiment qui ont un magnétisme extraordinaire. Donc, je pense que faut nous chercher qu'on est comment nous capables. Toucher côté ça yo, chanter pour yo, coucher avec yo, tendez son yo. Des musiciens. Femme d'ando, docteur. Bon oui, moi t'aime,
font un petit partager avec vous, M. Jamzoula. Un petit échange que moi fait, c'est échange culturel. Un petit performance que moi fait, c'est performance multiculturelle. Et il y a une chose qui fascine moi, pile, c'est la culture asiatique. Là. Donc, c'est ça fait que moi étudié la médecine orientale. Et moi porté un petit cloche pour vous. Un petit cloche que nous avons rencontré en pile. Dans la culture tibétaine, la culture hindoue, la culture asiatique. Là. Et ma fonte sonne cloche. Et il y a des gens qui disent que le temps de son ça, ils sentent très relax. Il y a des gens qui disent que le temps de son ça, peut-être que le sentent en don cathédrale, peut-être que c'est l'église. Ou bien il y a des gens qui ont dit bon. Que les gens savent sonner en cloche. Mais en réalité, il y a une connexion avec l'élément métal, c'est sûr, qui a fait là. Et dans la culture, nous connaissons que l'élément métal là, il y a un pile rapport avec le droit au goût. Donc, je vais chanter la musique ça pour au goût. Oh, what is them songe biti dan we swallow away by no who swallow away them songe biti dan we swallow away. Oh, diabla di la manje moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, oh goo papa. Diabla di la manje moi, c'est pas vrai. Oh, quel est son jour? Diabla dit la manger, moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Timounio, c'est pas vrai. Ça, c'est jouet, Timounio, ça, c'est blague. C'est pas vrai, Timounio, c'est pas vrai. Ça, c'est blague, Timounio, ça, c'est blague. Une belle vibration, hein? En pile. Ouais. Vous comprenez? Donc, vous pensez que la médecine est associée à la musique, tout? Oh oui, oh oui, musique c'est sûr. La musique qui a utilisé. Non, la médecine qui a utilisé la musique. Musique, médecine, médecine, musique. Dans le terme caractère chinois, le caractère chinois, le caractère pour la médecine, c'est le même caractère pour la musique. Donc, si vous regardez les radicales caractères, ils sont pratiquement fait le même genre, interconnectés. Et dans le corps, nous avons tous les éléments qui vivent en nous. Parce que si vous regardez, par exemple, une table chimique, pas vrai, il n'y a pas qu'un élément, nous parlons d'éléments, mais éléments vivent en nous, vraiment. Nous avons ça qui est tout élément que nous avons dans la table chimie, qui n'a même pas que nous avons dans l'étoile, il fait partie de nous. Tout. Donc, si nous sommes capables de créer une connexion, connexion, ça, c'est une vibration que nous avons. Connexion, ça, c'est une fréquence que nous avons. Son son que nous avons. Par exemple, dans la médecine chinoise, là, nous avons pratiqué les qigong. Qigong, c'est un exercice. Exercice, non seulement lié exercice en mouvement, exercice en respiration, mais nous sommes capables de faire son avec les tout. Donc, par exemple, soit vous cultivez une énergie dans le poumon, peut-être que vous êtes capable de faire un chou. Ou vous cultivez une énergie dans le râteau, vous allez faire un souïcha. Souïcha. Il y a chaque son que vous gagnez. Donc, là, vous faites cultivation physique. Non seulement les vignes ont exercice physique, mais les vignes ont un exercice qui vient multi et pluridimensionnel en même temps, pas vrai, parce que les vignes ont son et les vignes ont énergie. Tout. N'a pas tout dans le banc au téléphone si quelqu'un monde jeune, l'école ou bien institution que tu as même pas là avec vous. Mais bien sûr, il est capable de jouer sur le site zenhaiti.com. Il y a des informations tout moins là et il est capable de sur le site là. C'est zenhaiti.com et il y a des informations moins avec le numéro de téléphone moins là. Merci. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28. Compère philo 1 à convention.com.
n'a tourné tout à l'heure. Télé Guinée a invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean-Nouyea. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Je ne fais pas ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah, yeah. Compère Philo. Yeah. Alors, Guinée qui dit, nous faisons avec tout métier, nous, tout ça, nous ne pas dépendre de monde, nous faisons avec eux, mais malheureusement, nous ne pas suivre la tradition formée. Par exemple, Gonflan, qui toujours le mal dans le pèlerinage, bah, ça, dans la zone de la Tibonite. Je suis toujours rencontré dans la cour sous Christ Souvenance, monsieur le Calé Dada. Je me demande, monsieur, mais ça qui passe, quand on apprend pile bail ça, monsieur a marché en sac, dans pile médicaments. Monsieur dit, mon cher, c'est un qui te fait maçon, c'est un qui te fait ferrailleur. Mm-hmm. Et on a porté une série de bagailles. Je n'ai pas gain aide, c'est moi qui prends le fait travail. Je prends le couler béton, je fais chapante, donc je marche à tous les outils. Je suis tellement passé misère, un bonjour m'a dormi, grandement dit-moi. Entrer dans la forêt, ça m'a montré qui gens pour faire la vie. Sans pas besoin de faire tout ça. Grandement, casser feuilles et puis le montrer. Il montre, mais ça vous fait. Ça bon pour telle maladie, ça bon pour tel zoo cassé, ça bon pour tel bagaille, ça bon pour tel bagaille. Les gens qui gagnent. Problème prostate, moun ki gen ceci, moun ki gen cela, monsieur gen des poudres qui grage, monsieur gen yon série de bagay qui nan bouteille li, mais gen des bouteilles qui prepare. Donc, tradition ça, nous joignons ni plusieurs côtés. Donc, on demande, est-ce que tradition ça, nous pas ta fait un bagay avec lui? Parce que monsieur, je sais là que nous t'ai rencontré dans une rencontre qui t'a fait. Par contre, c'est le ministère de la Santé. C'est ça, en conférence médicale. Conférence médicale. Conférence médicale, c'est ça. Donc, il était là et il était en contrôle. Et c'est comme ça que je connais que c'est médecine chinoise qu'on a fait. C'est ça. Donc, est-ce que cette tradition ne nous pas suivre? Ou bien l'autre pays a suivi la tradition, ça, qui fait que nous perdons? Parce que il y a des pays qui. Très connu pour tradition ancienne. Je ne t'ai pas parlé avant de culture. Il y a des cultures qui sont plus anciennes que d'autres. Mm-hmm. Parce qu'il y a des cultures qui sont préhistoriques. Okay? Et il y a d'autres cultures qui ont des gens plus récentes. Donc, le fait que nous ne suivons pas la tradition, c'est une, mais le fait que nous ne modernisons pas, c'est l'autre. Là, tout. Par exemple, si vous avez des médecines pharmacopées chinoises, donc on n'y a pas fait. Jean nous fait là encore, nous pas dans bouillie feuille, nous pas dans prendre bagaille encore, dans mettre bagaille dans chaudière, dans ton faire en fait, qu'il y a agri on essaie de l'autre gens qui ont fait médecine là. Et c'est ça me t'a aimé porter pour aujourd'hui à vous nous capable ouais. Par exemple, si nous regarder et ça c'est et en combinaison de différents et parties en plante et parties ça yo, yo poil décortiquer yo et yo poil faire en médecine avec lui. C'est-à-dire que ça c'est toi fait toi racine là. C'est-à-dire que ça il y a plusieurs éléments, il y a trois éléments là-dedans. Vous comprenez? Trois éléments ça yo, yo pour le transformer li ou bien en liquide, côté pour le gagner en bouteille, ou capable prendre en sirop. J'ont t'a dit avec mon n'a gagé li mettre à faire dans bouteille li ou bien li capable même en injection. Dans kounya là dans sens par exemple si mon n'a fait chimiothérapie, gagne chimiothérapie herbale. Donc, nous sommes capables d'avoir une injection herbale qui est à base de feuilles et de racines. Et nous sommes capables même d'avoir une formule côté il y a une formule côté il y a une machine qui a processé la formule pour lui et il sorti dans un petit pouch. Donc, nous sommes facilement ouverts, les boire, les prendre des médicaments, pas de problème. Donc, ça, Lili, ça, c'est oranges, c'est pour oranges. Là. Et nous, quand on est dans la culture, nous sommes avec nous toujours dans tout le cas, pour oranges qui sont séchées. Est-ce que ce n'est pas vrai? Qui est bon pour gaz, il est bon pour gaz, il est bon pour problème de foie, il est bon pour problème cholestérol, il est même qu'à aider les gens à maigrir. Donc ça c'est un bagage qui est très bon pour n'importe quel problème gastrique
et problème qui a rapport avec foie surtout, problème de cholestérol et j'aime dire problème de gaz. Et il y a une autre formule qui est très connue et en Corée, ça c'est le ginseng. Le ginseng sont racines qui grandit qui prend en pile force. Donc ça c'est une formule qui fait vraiment connue dans le monde avec le ginseng. Donc son tonique, peut-être que nous-mêmes nous avons des séries de bois que nous servions avec eux, nous avons bois que nous connaissons, bois cochon, mon paquet de yang bandé, exactement. Donc nous-mêmes nous avons fait parler tout. Monsieur, il n'y a pas la veine. C'est vrai, tu vois. Donc je connais chaque fois que je rencontre un jeune homme, c'est toujours une question. Hé, hey, docteur, est-ce qu'on est capable de faire pour le mot B? Donc il y a beaucoup de solutions, je peux dire, et naturelles et traditionnelles qui existent. Et franchement, le problème, je peux dire, de la culture haïtienne ou bien de la pharmacopée haïtienne, c'est vraiment la globalisation et la modernisation. C'est-à-dire que même pharmacie que nous gagnons ici, nous capables de penser à faire des formules herbales. Nous pas besoin seulement de comprendre produits pharmaceutiques et chimiques que nous faisons. Nous capables de faire produits pharmaceutiques herbales tout pour nous capables de mettre à disposition de tout docteur pour et de tout le monde à grand monde capable de servir. Mm-hmm. Donc, nous avons modernisé. Ils ont sorti côté Nia, et puis ils ont fait l'autre genre. Et il est efficace. Il est efficace et il y a même des hôpitaux qui sont extrêmement focus sur ça seulement. C'est-à-dire que là, dans l'hôpital, il y a près de 6 à 9 ou comprendre étage côté gain réhabilitation gain acupuncture gain diétothérapie gain pharmacologie qu'a fait gain toute bagaille qu'a fait dans l'hôpital là l'hôpital qui pas gain chirurgie du tout hôpital non invasif donc c'est dans l'hôpital ça que moi étudié moi fait étude moi et premièrement j'ai fait pré-med moi dans l'université de Miami et moi prend maîtrise moi en médecine orientale et acupuncture et moi prend doctorat moi et dans études doctorales moi j'ai fait spécialité moi j'ai dit en traumatologie et oncologie donc tout ça ensemble vient près on parcours de plus de 10 ans en études et je continue jusqu'à présent à toujours apprendre de nouvelles choses à faire partie de plusieurs corps et académiques donc on fait partie de différents corps académiques qui font recherche donc ça avec moi toujours fasciné par les c'est comment nous capables fait bagaille plus scientifique, vous comprenez? Combien de temps vous étudiez ça? Bon, recherche, j'ai fait 3 ans, j'étais focus en recherche seulement. Mais en général, l'étude de médecine chinoise, son étude, j'aime bien, j'ai fait 4 ans collège, 3 ans maîtrise, 3 ans doctoral, et j'ai eu le choix pour faire post-doctoral, si vous voulez. Donc, c'est un bagaille qui prend 10 ans ou plus. Vous comprenez? Donc, vous pensez que vous avez fait recherche tout? Oh oui, nous avons un pile histoire de monde qui fait recherche déjà pour nous. Un livre qui était très très connu, qui était lire les bons en anglais, The Serpent and the Rainbow. Nous connaissons un anthropologue qui était Wade Davis, qui était fait recherche sur les zombies. Donc il était parlé de poissons qui étaient des pouvoirs, vous comprenez? Et toujours dit ça, il y a des côtés j'aime dire là qui pas touché dans pays nous, il y a des côtés qui gagne des espèces spécifiques à Hispaniola et des espèces de plantes, des espèces animales qui gagne un potentiel non seulement de zombification mais thérapeutique s'il vous plaît parce que zombification peut-être que c'est ça que nous connaît. Mais peut-être que dans le monde moderne nous capable de lire overdose. Peut-être que sous baillon monde en forte dose de bagaille, il est peut-être en coma pour quelques jours. C'est même qui me connaît dosage là. L'une bagaille qui est vraiment belle dans pharmacopée naturelle là, c'est dosage. Et là on était étudié ça en Chine, des grands spécialistes en médecine oncologique, justement médecine de anti-cancer. Et c'est sa spécialité le thé, c'était des formules de 4 à 6 ingrédients seulement. N'a tourné bac toi faire toi racine là. Pas plus. Trois feuilles, trois racines. Nous pas besoin plus. Lui-même, il est spécialisé dans la formule si de 4 à 6 ingrédients. Prends 3 feuilles, ça bouille. Et puis 3 feuilles à bouille. Soupe. Il fait toute ville. Par exemple, Gomba, comme qu'on a fait, et les gens qui ont un pile bouton, bon allergie, bah, comme ça, ils prennent 9 feuilles de goyave. Ils ont pas haute de croissant. 8, 7, 6. 5, 1, après, vous retournez 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. C'est ça. Vous faites ça, moi, je vais faire le devant. Donc, son cul, hein? Oui, pour ça.
C'est ça lié. Il y a une pile de recherche qui t'a fait en Haïti. Ah ouais. Par exemple, si on a une zone qui a un problème, comme on a un paludisme, ou bien, il y a besoin de quinine. Mais si on n'a pas une quinine, il y a un feuille de bois de chêne, il y a un de d'eau, il y a un bouillie, et puis il y a un peu. C'est ça. Il y a une pile de recherche qui fait sous ça. En Afrique, parce que le paludisme devient un problème. Mm-hmm. Donc, au contraire, il y a un groupe de chercheurs chinois qui étaient venus en Afrique et de l'Ouest, qui étaient fait recherche sous une forme de, justement, de bois de chêne qui ont été fait fumigation avec lui-même, qui ont été même brûlés et qui étaient dans la communauté comme une sorte de fumigation, c'est-à-dire que côté où brûler air blanc, pour air blanc, c'est chaleur air blanc qui peut passer dans la peau. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, on pas fait brûler vraiment, non? Mais c'est le même aspect dans la médecine traditionnelle, quand vous connaissez de herbes, que vous voulez que l'herbe rentre dans la peau, et bien c'est la même technique ça que vous employez, et vous voyez que c'est très efficace. Donc, il y a une recherche que vous faites sur ça, sur des techniques de brûlures, vous comprenez, et alors très non évasives, mais thérapeutiques, parce que vous avez un aspect thérapeutique dans la brûlure dans tout. Mm-hmm. Parce que vous avez des séries de bagailles biochimiques qui fait dans le corps. Le au fin gont ti brûlure donc faut qu'on l'en réétablit tête li et rééquilibre tête li donc gen on façon que capable servir avec inflammation avec brûlure là pour capable rétablir la santé. Je comprends. En tout cas par contre sou gen l'autre ba montrer toujours. Eh bien bon nous pour faire une petite séance d'acupuncture pourquoi pas. Ah ben moi même peli. C'est ça bon. La première chose, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Les aiguilles sont toutes petites et on va faire une autre démonstration aujourd'hui. Donc on va voir que l'acupuncture est très agréable et ça a des effets extrêmement relaxants. Donc t'as encouragé nous pour que nous essayions. Et premier bagage que l'acupuncturiste a toujours demandé, c'est comment énergie mon naie. Donc m'a toujours demandé comment ça s'est jodi hein, comment énergie lié. Et me capable même bali au miroir, pour capable garder tête li, pour pas ba tête li menti. Si mon na figure, si mon na gna figure pas bien, mon na gna fatigué, me dit ah mon forme, dit ah ou pas même pas menti. Mon fatigué. Comment ça se bon, ça t'est moins bien. Et qui a pris. D'accord. Donc, on a l'autre question, nous capables de demander mon nom pour nous capables très sûr de comment l'organisme fonctionne. Nous capables de demander mon nom pour que lui montre nous l'angle. Alors, l'angle, c'est extrêmement important. Parce que non seulement il y a une connexion avec le goûter, parce que vous connaissez que tout d'arrêt qui a un bon goût dans l'angle, vous comprenez? Mais en même temps, l'angle, c'est lui-même qui montre comment la circulation interne est. Donc, on peut regarder la langue. De là étant, on peut décider est-ce que mon nagon excès de chaleur, est-ce que mon nagon excès de froideur, est-ce que mon nagon accumulation d'humidité, est-ce que mon nagon accumulation de sécheresse. Tu vois, donc tout bagage ça est capable ouais dans l'angle. Dans l'angle. Donc moi je vais montrer mon nagon pour que mon nagon pas penser que m'a imaginé des choses. Parce que par exemple, si on regarde l'angle mon nagon et puis l'angle mon nagon un petit jean blanc, mais peut-être vous capable de dire bon, peut-être qu'il y a un petit peu de froideur, peut-être vous capable de tonifier mon nain, donc ben mon nain un petit peu plus d'énergie, pourquoi pas. Donc si on va faire une session d'acupuncture aujourd'hui, on va te donner un petit peu d'énergie, pourquoi pas. Ben oui. Pas vrai? D'accord. Mais donc, il y a pris là, hein? Pourquoi pas. Donc il y a différentes façons qu'on peut faire ça et donc et ce que j'ai apporté aussi, ça c'est un exemple que ça c'est une modernisation de une technique qu'on connaît tout dans la culture haïtienne, ça que nous relevons tous, n'est pas vrai? Donc ça c'est une technologie que yo vini avec les côtés pratiquement yo créé en vacuum. Donc ou capable mettre li côté qui gagne excès. Imaginez si mon nan gon œdème, si mon nan gagne un côté qui gagne on comprend qui enflé, imaginez comment ça capable vraiment aider avec problème ça. Si au lieu à faire massage ou à faire et ça qui relé et cupping là ou bien ventouse là, et ça c'est une technique qui est extrêmement bon pour athlètes. Vous comprenez, en pile monde te remarqué que Michael Phelps te fait li l'un à l'époque olympique là, te gagne des séries de ti et tâches on ti jan noir, c'était cupping là qu'il te fait. Donc ça sont techniques qui est très facile et qui aide en pile avec rhumatisme avec problème ça yo. Donc ça nous va le faire jodi a, c'est une petite technique de tonification, c'est-à-dire que nous pour le servir avec un méridien qui ont méridien qui spécialisé dans ça même. Ça méridien ça reste méridien intestin. Donc ça on pense de intestin, compère Philo. Ça on pense travail intestin. Bon,
Bagadou. Mais vous pensez que l'intestin, son bagage travaille en pile? Ou vous pensez que le travail en pile? Vous pensez que le travail. Est-ce que ne pas penser que si son monde, par exemple, n'est encore pas bon, est-ce que l'appétit est bon? Oui, oui, j'en ai dit. Je crois que tout ça me vient. Donc, c'est-à-dire que l'énergie est bon. Parce que depuis l'appétit est bon, l'énergie est bon. Oui, oui. Okay? C'est moi qui a freiné. Ça, pas, c'est une bonne chose. Pour ne pas trop gros, pour ne pas. Ou pour faire des mesures. Oui, oui. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, il y a des questions qui sont assez importantes. Seulement trois questions que vous êtes capable vraiment, sous pas grand pile, de poser. C'est appétit, je me fais moins drôle. Hein? Le sommeil. Comment est le sommeil? Je dormis bien. Je dormis bien. T'as dit, monsieur, son équipe en santé. Oui, m'dormi, d'accord. Je dormis bien. Je me dis, je dormis bien. Je suis arrivé. Et puis, je dors encore. Vous dormez encore. Pas de problème de sommeil. Et la dernière question, la plus importante, et j'aime parler, c'est pas faire parler de l'intestin. Hein? Mm-hmm. Est-ce que l'intestin a évacué? Tu comprends la question? Oui, très bien. Très bien. Alors, t'as dit si je souffre de constipation. Exactement. Pas souvent. Pas souvent. Pas souvent. Parce que il y a des bails que le manger, par exemple, des avocats avec mayoc ou bien avec cassave. Un bail qui est trop lourd, peut-être. Il fait m'évacuer bien. Mm-hmm. Vous comprenez? Mais qui fibre, alors qui a fibre, c'est ouais, ça. Oui, qui a fibre. Donc, moi, j'aime ça depuis petit. Moi, j'aime ça. Donc, moi, que li, dans ce sens-là, moi, que l'important. L'important. Donc, je dis à nous, pas le travail sur l'intestin. L'intestin, c'est un organe qui est extrêmement important pour aider avec l'énergie et l'aider avec le métabolisme. L'aider avec n'importe quel problème qu'on est capable de gagner au niveau métabolique. C'est-à-dire que si vous êtes un monde qui souffre même d'allergie, l'intestin a travail en pile parce que l'intestin a besoin d'évacuer l'allergie ça et tout. Donc ce sont qui même problème respiratoire. Alors dans médecine chinoise, tout bagage yin et yang, c'est-à-dire que gien un bagage qui a connecté en polarité. C'est-à-dire que chaque organe, il y a un organe frère ou sœur. Donc organe frère sœur de l'intestin c'est poumon. Et nous réfléchis bien, si on veut avoir mon énergie, faut mon respirer bien, pas vrai? OK, donc nous pas le faire on tient acupuncture très simple, nous pas le montrer côté méridien et intestin et côté méridien poumon et rapprocher yin et yang à yo et nous pas le garantir booster okay? Naturel. Donc nous pas servir avec extrémité hein, extrémité main hein? Donc nous pas le suivre méridien là donc mettre relax ou mettre relax pas gain problème Mama. Nous pas le font une démonstration ça fait piquer hein? Et nous capable même suivre méridien de douette là parce que chaque douette aussi gon énergie donc nous gain douette ça qui gon énergie donc nous pas nettoyer zone ça bien que nous pas le faire tout point ça non et n'a nettoyer méridien hein? Okay. Et nous gain deuxième point qui c'est là que l'a sorti donc nous pas nettoyer méridien ça tout. Donc ouais, c'est yin et yang ou gain index là avec pouce là qui connecté. Et ça fait que parfois lorsqu'on même on a fait méditation, il qu'on connecté de doigt ça pas vrai. Et ça qu'on aider parfois après méditation mon cas waouh, me senti me gain plus énergie. Est-ce que c'est pas vrai? Lorsque on fait méditation, parfois même si mon n'a relax oui, ou mon gain plus énergie. Donc pas besoin peur qu'on peut faire deux points seulement, OK? N'a fait une sous intestin, n'a fait une sous poumon. OK? Donc on va le servir avec des aiguilles très fines, des aiguilles extrêmement petites. Donc aiguilles ça c'est des aiguilles qui japonaises et yo couvri avec une couche de silicone. Donc ou pas même senti l'œil entrer dans haut. Donc ouais très petite. Donc toute bagaille yo est déjà est cacheté pour toute bagaille déjà stérile. C'est seulement une seule fois que tu te sers des aiguilles. Donc les aiguilles sont toutes petites. Et chaque fait le petit couleur sous lien c'est ça les montagnes qui size li. Chaque couleur ça son size différent donc ça son petit size tout petit donc nous pas le faire un point qui très très commun et point ça son point qui nan et Chanel intestin sous gain migraine son bon point non c'est vrai oui ça tu c'est faut nous comprendre pas faut pas jouer avec les choses sérieuses hein non nous pas bien si nous gain migraine ça c'est un bon point si nous gain problème intestinal parce que problème intestinal qu'on ba migraine pas vrai. Ouais. Ça, c'est un bon point. Donc, ça, c'est le point de l'intestin numéro 4. Voici comment on le trouve. C'est sur le méridien de l'index.
OK, à moitié de l'os. Et puis nous pas le mettre là, respirer et inspirer. Et puis nous aiguille là. Donc il y a deux étapes de l'acupuncture, c'est l'insertion et la deuxième c'est la manipulation. Donc n'a font petite manipulation n'a montrer mon là, petite manipulation tout petit. Est-ce que vous sentez li? On tient énergie non. Tout petit. Tu vas être tout petit. Tout petit. Ouais, il pas plus mal. Ou mettre relax. Donc, oh, nous finissons avec point ça. On ne peut pas avoir peur, hein? OK? Donc, je me dis là, son point, on est capable même, ou même, ou faire les sous une migraine, ou bien sous un problème de digestion. Je me dis là, parfois, des problèmes gastriques, qu'on a une migraine, ou qu'on a un malaise. Donc, on est capable de faire point ça, on est capable d'aider tête. Tout. Kounia, nous parlons de l'autre point qui peut aller des poumons. Et poumons, parce que poumons, c'est là que le cœur est chita tout. Vous ne pouvez pas dire que le cœur avec poumons séparé, en cavité. Donc, nous pouvons faire un point qui peut aider les poumons à respirer beaucoup mieux, mais il peut aider les vaisseaux à absorber et sang beaucoup mieux. Tout. Donc, point ça, c'est le poumon 7. Le poumon 7. Okay? Nous sommes capables sur Internet de chercher point ça. Okay? Donc, comment nous jouons? Pratiquement, nous avons un petit zola qui est un stylo. Nous avons le styloïde. OK, quand on stylo, donc à côté le campé là, il quand on stylo, qu'a écrit avec. Donc on passe main ou puis balé ou absent son veine. Parce que grand pile articulatoire et articulation dans zone là, grand pile activité circulatoire dans zone là. C'est ça fait que point ça tellement important non seulement pour poumon hein, mais pour circulation. Donc on va le faire si point ça bien facilement deux phases comme c'est dit. La première phase qui est insertion, la deuxième phase manipulation. Donc, on a quitté mon yo et manipulation hein, un petit peu. Donc, c'est un petit peu de virer aiguille. Hein. Et il y a des différentes façons de le faire. Par exemple, je vais nous faire là, nous tonifier où, parce qu'on va envers le méridien. Parfois, on est capable de faire contre le méridien. Donc, il y a différentes façons qu'on est capable de faire. Donc, d'une façon ou d'une autre, nous faut faire deux points là hein, qui sont capables d'aider où avec circulation, avec capacité pulmonaire. Et avec point intestin hein, qui va l'aider avec métabolisme et qui va l'aider aussi avec n'importe quel problème qu'on a dans la tête. Donc parfois point ça même dit qu'on si vous capable alors stimuler les en pile ou capable même gain un effet analgésique dans terre. Il y a des monde qui pas capable faire et ça aurait les anesthésie, il y aura allergique. Donc il y a des techniques et d'acupuncture que nous faisons pour faire anesthésie. Et ça, c'est un point qui est important. Et m'a regardé là, les petits gens abattent. Donc, je suis capable même de faire un petit stimuler. Et puis, c'est tout. Donc, on met relax. Mais si on va alors, monter le bio. Non. C'est seulement deux points qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, nous allons retirer. Combien de temps? Pour nous capables de quitter pour 10 à 15 minutes. Combien de temps comme ça? 10 à 15 minutes. Et comme c'est dit, si vous n'êtes pas capable de faire acupuncture, vous êtes capable de faire acupression. OK, ou capable joindre point en haut même ou faire acupression hein, ou capable joindre point en même ou faire acupression hein, et ou faire tirer respiration ou, et puis ou capable quitter le méridien parce que pas oublier que le méridien son circuit, son circuit qui est donc si le méridien bloqué, l'eau fin fait point, il peut aider que le circuit a débloqué. OK? Donc nous allons retirer aiguille pour vous parce que nous fin faire démonstration mais kounya là ou montrer mounyo que il pas fait mal. Il pas fait mal. Exactement et ou montrer mounyo tout que gon réseau énergétique dans corps là tout. C'est pas vrai que nous avons essayé de connecter. OK, donc on va enlever. Et comme tu vois, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Parce que tellement l'aiguille est toute petite, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Bravo. C'est tout. C'est un bon bagage. Hein? Je me sens que tu as relax là. Ça me hein? C'est ça. Maman. Peux... Donc, tout bail ça, yo, médicament ça, yo. C'est feuilles, zèbres, chinois, ou bien sandagagain, que vous mettez sous point ça, vous mettez comme ça. C'est j'en ça. Vous mettez là. C'est ça. Donc, nous n'avons qu'à faire tout. Nous n'avons comme il y a l'autre pays qui fait, nous sommes capables de moderniser, faire recherche, et puis pour moderniser la médecine que nous avons là, tout, même si nous avons utilisé la médecine des hôpitaux. C'est ça. Nous sommes capables de toujours avoir une combinaison, et nous sommes capables surtout d'avoir un respect. Je pense que nous avons un respect pour nous bailler. Moun qui connaît traditionnel là. Je pense que c'est ça qui est plus important. Et comparativement aux autres pays, c'est ça qui manque. Je pense que le nouvel que moun n'a pas connu écrit ou bien que nouvel que moun n'a pas passé l'école,
nous pas gain même respect pour monde là. Mais c'est là nous tromper nous. C'est là nous tromper nous. C'est là nous tromper nous parce que vraiment et encore là regarder qui côté pour aller chercher information magnétique ça, j'en ai parlé de côté de la planète là qui gain magnétisme ça. C'est des côtés qui extrêmement retiré. C'est des côtés qui gain des tribus qui pas lettré. Franchement hein. C'est pas des côtés qui modernisé, c'est pas des côtés qui gain des gratte-ciel. C'est des côtés qui gain des tribus de monde qui vivent traditionnellement. Donc il y a beaucoup à apprendre de monde qui peut-être pas gagner même langage avec quoi. Eh bien, docteur Nathalie Guillaume, nous disons merci d'être que vous venez participer là à l'émission. Hein? Et plaisir. Merci d'être que hein, au relaxement. Oh, ça son troisième. En tout cas, ça c'est important. Et nous souhaitons succès. Nous souhaitons en plus le monde va apprendre, va comprendre, sorte d'abdier en vain. Côté pour nous chercher énergie, côté pour nous équilibrer tête, non côté. Pour nous parler à la nature, pour la nature, ban nos réponses, pour nous comprendre le langage de la parole avec nous. Nous disons merci. Émission finie. Ben, on téléphone rapide si il y a un monde qui veut parler avec vous. Eh bien, merci. J'aimerais dire que nous avons un site web. C'est le site web Zen Haïti. Je vais obtenir un week-end ça pour la rencontre du bien-être et de la spiritualité. C'est à El Rancho le 19 et le 20 janvier, ce week-end. Donc, nous sommes capables d'aller sur le site web. C'est zenhaiti.com, écrit en créole. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse email, il y a tout ça sur le site web. Donc, nous sommes capables d'aller pour information sur conférenciers, parmi lesquels moi-même, et participer avec nous. Nous vous remercions. Merci d'être que vous êtes là avec nous, vous avez partagé ensemble avec nous connaissances qu'on a gagnées, vous avez diffusé par les jeunes, par les mondes, par les adultes, par les grands mondes qui voulaient apprendre, connaît. Hein? Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, compéphilo 1 à commercialiao.com, www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean-Nouyea. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Je ne fais pas ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah, yeah. Compère Philo. Yeah.